Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freeradattitude.com, spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Cyril et Pat pour la Freeride TV. Salut. Alors avec Pat, on a comparé le Eldorado et le Patron cette année dans la neige variée là, qu'on a sur Méribel. Hein. On a de la poudre en haut, du trafolé au milieu, puis de la neige un peu dure sur le bas. Il neigeote, visibilité réduite. Visibilité, voilà. Ouais. Alors, au premier abord, sur les neiges assez souples, sur les bonnes neiges, on avait un peu du mal à sentir la différence entre les deux. Au départ, ouais. Ouais, voilà, au départ. Et c'est quand la neige a commencé un peu à se durcir, à la fois à l'extérieur et sur la piste. Hein, donc, on n'a pas arrêté de se les changer. Hein, on faisait 200-300 mètres, pof, on se les passait, on repassait de l'un à l'autre. Et c'est là qu'on a commencé à sentir un peu la différence. Alors moi je trouve que le Eldorado est quand même un petit peu plus exigeant, un peu plus technique dès que ça se durcit au niveau des conditions. C'est la bataille de l'Eldorado contre le Eldorado contre le Patron. Ça se durcit un peu dès que les conditions. Par contre voilà, c'est vrai que le Eldorado, pour un skieur qui veut skier vite, qui veut être très précis, la plaque titanale dessus, ça donne vraiment un petit peu plus de tenue, un peu plus de précision. Précis, posé. Voilà. On est un gabarit, un skieur déjà bien engagé. Voilà. Par contre, à part une tout petit peu plus de rigidité, le Patron il est un petit peu plus souple, je pense qu'il tolère tout et tu peux vraiment t'amuser avec le Patron. Ouais voilà. C'est un ski qui est moins exigeant. Voilà, moi je pense que ça dépend du comportement du skieur. Voilà, quelqu'un qui veut un ski performant mais quand même qui veut garder un certain confort, comme tu dis, voilà, un peu moins d'exigence, faut vraiment rester sur le Patron. Ouais, voilà, je ne serais pas déçu par les performances même si des fois vous skiez un peu. Par contre voilà, le skieur qui fait aucune concession, qui veut vraiment la perf à tout prix, c'est sûr, c'est le Eldorado. Voilà. Dans les deux cas, c'est deux super skis. Vraiment. Merci.